Afin de se développer au niveau local comme à l'échelle globale, quelques-uns des principaux acteurs de l'économie mauricienne sophistiquent leur organisation, ce qui conduit au recrutement de professionnels aux compétences pointues, bien souvent complétées par une solide expérience à l'international. Pour des enfants du sol qui s'étaient expatriés, cette dynamique favorise leur retour à Maurice. Avec un plaisir tout particulier, ils y relèvent des défis à la hauteur de leurs expertises. Je suis né à l'île Maurice. Voilà, en 84, j'ai 31 ans, donc mes parents vivaient en Côte d'Ivoire à ce moment-là. Et j'ai vécu donc 3 ans en Côte d'Ivoire, très jeune, puis en France, le même nombre d'années, et ensuite le Canada pendant 9 ans. Après cela, ma famille est revenue en France pendant à peu près 15 ans, et à la suite de ça, je suis venu à Maurice. Je suis chargé de mission Made in Maurice pour l'Association des manufacturiers mauriciens. On m'a recruté pour mes compétences en communication, en marketing, donc capacité à animer un réseau d'entreprises. Voilà 8 ans que je suis ici, que je suis retourné au pays, après avoir vécu à l'extérieur pour 35 ans. Et mon rôle ici, c'est d'accompagner le leadership, un leadership qui est vraiment bien adapté pour pouvoir répondre aux besoins de cette compagnie qui grandit et qui va à l'extérieur de Maurice. D'introduire des nouvelles compétences pour être ce que j'appelle « fit for purpose », pour pouvoir accompagner ce groupe dans sa nouvelle vision. Et nos valeurs sont intégrées dedans. En même temps, c'est ce qu'on fait et comment on le fait. Je travaille dans le groupe Food and Allied au Corporate Service depuis 3 ans. J'occupe en fait différentes fonctions dans le groupe. Je travaille beaucoup avec les entreprises du groupe, donc dans le process supply chain entre autres. Il y a également tout le volet amélioration continue, la culture du lean management et l'optimisation de process. Alors, en fait, je suis ingénieur de formation, ingénieur électrique. J'ai étudié en France dans une école d'ingénieurs. Ensuite, j'ai immigré au Canada à Montréal, où j'ai également fait un MBA en General Management et Corporate Finance. Et j'ai travaillé pendant 8 ans à Montréal, à Bombardier Aéronautique, qui est un constructeur d'avions. Donc là-bas, j'ai participé en tant qu'ingénieur dans le développement des avions commerciaux. Et je dirais qu'avec tout mon bagage technique et également mon expérience professionnelle acquise au Canada, en termes de process, d'amélioration continue, de leadership, de style de management, et aussi tout ce que j'ai pu apprendre dans le cadre de mon MBA, mais aujourd'hui, je suis capable de le mettre au profit de l'entreprise dans laquelle je travaille. Je suis rentré à Maurice en novembre 2014 de l'Allemagne. J'étais basé à Francfort. Pour prendre la position de Group Chief Finance Officer chez le groupe IBL. L'objectif stratégique du groupe était très clair, c'est de consolider les activités à Maurice et développer les activités à l'étranger. Parce que l'île Maurice quand même est toute petite, on a des compétences qui sont très très exportables. Et on a un continent à côté de chez nous qui démarre. Au niveau du travail, comme sur le plan personnel, ces nouvelles opportunités permettent l'addition des intérêts. L'intérêt pour moi de prendre ce challenge, c'était tout d'abord de me joindre à une société, une compagnie qui est vraiment connue à Maurice, c'est un household name. Et deuxièmement, il y avait un aspect de croissance internationale. Et sur le côté personnel, je n'avais pas encore eu l'opportunité de travailler à Maurice. Et ça m'a permis de rentrer à Maurice avec un job. Et ça me permet aussi, bien sûr, de passer des moments agréables avec la famille.